Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très 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 bien. Moi ça va, écoutez, on se retrouve sur Kena. Breath of Spirit est là. Quelque chose a changé, non, dans le monde de Kena. Ce n'est plus verdoyant, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a le feu partout. On vient de sortir, en fait, dans l'épisode précédent de cette caverne. Et là, on est face à un monde complètement dévasté en feu. Alors on va essayer de voir ce qui se passe. Merci beaucoup pour tous vos likes et vos abonnements, les amis. On a dépassé les 300 abonnés, merci. En route vers le prochain objectif, 400. Merci beaucoup. Allez, on y avance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un monde parallèle? Ou est-ce qu'on est vraiment dans le vrai monde là? Qu'est-ce que c'est? Le ciel est vraiment bizarre. Ah, on va faire face à des ennemis et cette montagne là qui envoie de l'énergie là-haut. Allez, place au combat. Pour avancer. Bim. C'est vrai que maintenant on a la bombe, il faudrait que je le teste un petit peu en combat. Pas mal. Yes. Je pense qu'on doit se rendre au niveau de cette espèce je dis montagne, mais c'est plus une espèce de racine, j'ai l'impression. Il y a des souvenirs, on suit des souvenirs. Des souvenirs de je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Celle qui porte un espèce de masque d'oiseau. On va regarder, attends. L'artisane du bois, non c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas son nom. On approche, on approche. On est au pied de cette espèce de tronc. Ah, il y a le masque. Utilisez le masque. Je peux sentir sa présence partout. La mort de dire. Ses champs sont meurtris par des souvenirs de destruction. Qu'est-ce qui a pu arriver ici? Nous devons trouver trois reliques pour aider Adira. Il y a quelque chose d'enfoui sous le poison là-bas. Ce serait un bon endroit pour entamer une recherche. Ok, donc c'était Adira, le prénom qu'on cherchait. Sous toute cette corruption, seuls les fragments de notre travail restent intacts. Cela me brise le cœur de voir les champs dans cet état. J'apprécie vraiment votre aide. C'est vrai que je me demandais, j'ai l'impression qu'ils sont tous morts en fait, tous les gens qu'on croise. On va pouvoir méditer, non? Collecter trois reliques pour invoquer Adira. D'accord, donc là c'est effectivement notre mission. Retrouver ces trois... Oh, comme c'est joli. Waouh. Oh, quel beau panorama. Donc elle nous demandait de commencer par ici, il me semble. Ouais, elle vient de popper juste là. Il y a une relique ici. Ces roches semblent appartenir à une structure plus grande. Voici notre bœuf. Il nous a aidé à façonner cette terre. Nous devons l'aider. Je ne sais pas comment il fonctionne encore après tout ce temps, mais nous ne pouvons pas le laisser dans cet état. Essayez de dégager les autres zones de corruption dans les champs. Je pense qu'elles sont connectées. D'accord. L'amour d'Adira purifie la corruption des champs. Ok. Est-ce que avec une bombe ça marche? Non, toujours pas. Donc comme elles sont connectées, j'imagine qu'on doit... Ouais. Ah ouais, maintenant ils disparaissent en fait. Yep les... Ah
Oh, y a du monde, y a du monde. Donc lui, il s'enfuit à chaque fois en fait. Est-ce que c'est lui qui me pop des ennemis ou quoi? On va essayer de le bloquer. On va lui envoyer quelques rods sur la tronche. Aïe. Aïe aïe aïe. Je vois que les combats, même classiques, sont de plus en plus difficiles. Il a pas de... J'ai l'impression qu'il a pas de points faibles lui, hein. On va lui envoyer des rods pour le bloquer encore une fois. Vous savez ce que je vais essayer de faire? C'est les attaques un peu spéciales, hein. Récupère un peu de vie. Il est où? Il est là. Ah, il m'envoie des ennemis de plus en plus puissants, cet enfoiré. C'est vrai que j'utilise pas beaucoup la frappe puissante. Hop là, parce qu'elle est assez lourde finalement. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Normalement, je peux. Essayer de le bloquer. Aïe. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Ouh. C'était un combat assez rude, ma foi. Alors, donc là on a une larme, si je me trompe pas. Allez la chercher, les petits amis. Et mettez-la juste ici. Voilà. Ok, donc il nous montre que là, il y a des pierres à soulever. On va utiliser notre ami, le dragon. Alors j'imagine que le mieux c'est d'aller ici. Voilà. Parce qu'à mon avis toutes ces petites roches, enfin toutes ces petites corruptions là comme ça, elles vont disparaître quand on va atteindre la grosse fleur là-haut. Alors évidemment faut les mettre dans le bon sens, je pense. Ah oui. Alors on va faire attention qu'elle nous tombe pas dessus. Je pense qu'il faut que je récupère le dragon une nouvelle fois. Viens ici. Viens mon petit, viens jusqu'à moi. Alors attends, je suis en train de réfléchir à un truc. Ouais. Faut d'abord que je monte ici. Ensuite là, ensuite je tire là-dessus. Alors après, par contre, je fais quoi? Parce que là, ouais, effectivement. Ah! Oh, j'ai failli me faire écraser. Ok, il y en avait d'autres ici. Ah, elles sont bloquées par la corruption. Ok, alors attends, c'est pas un problème, on va prendre le... lui là. Par contre il va tomber, faut faire tout le temps. J'avais jamais remarqué quand il passe en fait. Ah mince, attends, me dis pas qu'il faut... Ah oui d'accord, là c'est technique en fait. Pendant que tu... je pense que pendant que les rochers sont en l'air, faut faire passer le dragon
Mince. Oh là là. Attends, attends, attends. Je réfléchis, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Je me prends des coups. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que là, clairement, on est d'accord que ça peut pas bouger. Non. Par contre, elle, si. Allez. Ça se recharge. Hop. Hop. Oh non, évidemment, il a touché le truc, c'est ballot. Faut qu'on recommence. Allez. J'ai l'impression que le délai est vachement court. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, hein. Je suis pas certain non plus. Ouais, si c'est ça, ouais. C'est bon. Donc, si on fait ça, est-ce que... Ah bah là, ça nous met une pierre ici, mais clairement, on n'est pas du tout... Ah. Alors, attends, sinon, faut mettre les deux rochers, faut envoyer les deux rochers en même temps, je pense. Tac. Non, ça va pas du tout. Wow, je me suis fait écraser par les pierres. Oh shit. Attends, il est compliqué ce puzzle. J'ai pas encore capté le délire. Oh non, mais ça se fait pas. Ils m'ont remis les... Oh les salauds. Ça se fait pas, hein, franchement. Ils m'ont remis les trucs là. Oh les relous. Du coup... Déjà que j'étais limite tout à l'heure. Ah ouais d'accord, en plus ils m'ont vraiment tout remis quoi. Donc clairement, c'est mort. Oh purée. Alors attends, faut qu'elle... Du coup faut qu'elle retombe là. Je sais vraiment pas si c'est vraiment la méthode qu'il faut utiliser. Elle me paraît très... un peu chiante, tu vois. Ah, super, je ne les ai pas envoyés. Merde. Ok. En même temps, putain, je suis un boulet, quoi. Allez, boum, on envoie. Je vais péter ça. Viens là, petit dragon. Et fais en sorte que ce soit la bonne. Ouh, j'ai failli me faire écraser. Hein. C'était chaud. En plus, on a le deux. En plus, putain, ce qui est chiant, c'est quand tu meurs, tu te retapes le puzzle quand même. Et ça, c'est pas cool. Donc, allez, toi, tu passes là. Oh, y'a, je me suis fait un peu retarder. Bon, c'est bon. Alors, attends, réfléchissons un peu, là. Ça, tu le pètes. On est d'accord. Lui, tu fais ça, mais t'es attiré je ne sais où. Lui. En fait, je comprends pas.
Je comprends pas comment. Comment tu vas là en fait? Ah attends, il y a une autre l'occasion de capter un truc. Ok, je viens de capter qu'il y a une fleur là-bas. J'avais pas vu. Sorry. Donc. Ok, d'accord. Et après, on va là. Ok, donc à quoi servent ces rochers là-bas en fait? Du coup. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Nickel. Ah, là ça a l'air d'être un petit challenge. Ok. Bon, c'était un peu bizarre, mais du coup, à quoi servent ces rochers? Pourquoi ils s'envolent? Ah, là il y a un truc. Bon, je sais pas du tout. Tellement loin. Wow. Ok. J'ai cru que ça allait jamais se finir. Un nouveau petit rat rejoint la famille. Avec des petits champignons. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que je peux descendre sans me faire mal? Je pense que oui. Ok. Donc vraiment, à quoi? À quoi? Pourquoi ces rochers? Déjà, j'ai pas compris, vraiment, je... Ah! Je crois avoir compris. Peut-être. Comme il y a un truc là, en fait, tu peux faire ça. Ok. C'était ça, en fait, depuis le début. Oh, le délire. Oh, bah, un nouveau rot. Comme ça, direct. Deux d'affilée. Ça, c'est cool. 44. Ça monte, hein. Putain, vous êtes plein, les gars. Vous êtes plein, plein, plein. Par contre, il n'y a pas les 44 tout autour de moi. Ça, c'est... C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé. Ah oui. Vas-y, soulevez-moi la barrière, s'il vous plaît. Tu peux bouger ça pour moi? Ouais, je vous fais la traduction. donc, on a libéré un truc. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. C'est pas elle qu'il faut voir. Là, on a un truc de téléportation. Non, c'était celui-là, ouais, voilà. Les autres zones de corruption alimentent encore le centre. Ces derniers ne seraient pas tant qu'elles n'ont pas été purifiées, d'accord. Donc il doit y en avoir d'autres. Genre ça là. Wow. Allez, venez. Ça c'est des espèces de lézards chelous là. Yeah. Aïe. Aïe aïe aïe. Mais vous êtes de ouf. Vraiment, vous abusez en fait. Ok. C'est bon. On les a eus. Donc. Wow. J'ai pas compris ce qui s'est passé là, vraiment. Donc là, on a ça. On a ça. Ah ok. Mince. Attends, je suis là et après je vais où en fait?
Non. Est-ce que c'est pas comme l'autre là où il y a une... Hein? C'est quoi ce truc? Attends, j'ai pas compris. Vraiment? Encore un puzzle bizarre. Je vais essayer de lancer, déjà de modifier lui. Enfin, de faire exploser lui d'abord. Ensuite lui. De toute façon, je vois pas... Je vois pas d'autres rochers. Spécialement. Ah! Mais après, je vais où? Oh! Ok. Oh le délire. Ah oui, c'était juste pour un coffre en plus. Oh my god! Un coffre, mais quand même qui cachait un rot. Et ça, c'est cool. Ça méritait le. Il n'y avait rien d'autre. Ça méritait le. Le petit puzzle. Donc ok. Là on a. On peut pas passer. Ici qu'est-ce qu'on a? Ah, là j'ai l'impression qu'on a une petite barrière, non? Non. Cherchons la une autre zone. Ah, c'est peut-être ici. Probablement. Oula. Ok. Donc soit on va là, soit on va là-bas. On va peut-être aller par là d'abord. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller par là d'abord, mais... Ah bah voilà. C'est pas mal aussi. Oh putain, on enchaîne les rots là. Un truc de fou. Ça monte, c'est bien. 46. Donc bah là on va retirer là-dessus. Hop. On va éviter de tomber. C'est bon normalement. On peut passer. Un nouveau coffre là-bas. M'a l'air bien facile d'accès celui-là. Ça va. C'est des cristaux. Il faut que je pense qu'il faut que j'améliore mon perso là parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et les combats deviennent de plus en plus durs, donc il faut que je le fasse. Oh, c'est quoi ces trucs? Waouh. Ok, d'accord. Nouveau monstre. Lui, c'est... Faut lui tirer dessus. Je sais pas, des fois, eux, je les tue en one shot. Et d'autres, non. Alors eux ils te pètent à la tronche en fait si tu veux. Donc des fois les abeilles je les one shot et des fois non. Wow. Il est tellement loin. C'est lui qui me... Il y a encore une abeille. Voilà. Ok, c'est bon, on les a tous su, je crois. Oui. C'est quoi ça? Ah, il faut qu'il le soulève. C'est bizarre. Attends, pourquoi il y en a deux là? Il y en a un là, un tonneau là. Il y a un tonneau là. Ah, il faut le déplacer. Ah non, attends, j'ai capté. Genre, tu le mets juste à côté. Et là, on a besoin du premier. Et là, tu le mets là, genre. Ah non, il peut pas. What? Ah, ok. Non, attends, j'ai compris. On va monter sur celui-là, d'abord. Voilà. Là, tu le relâches. Et lui, après. Là, tu le mets là, en fait. Et nous on va faire ça et après on va... Est-ce que je peux monter dessus pendant qu'il me déplace, c'est ça la question? Je pense que oui. Ouais c'est bon.
Oh, stylé de ouf. Je me fais transporter par les petits rots. Hop là, on récupère les petits cristaux au passage, c'est bon. Ouh. Ouh, ça sent le combat, ça, quand je vois de la vie, tout ci, tout ça, tu vois, ce genre de choses. On va voir la carte, on est où là? Waouh, ah ouais, la carte s'est vachement développée. Ok, donc c'est tout ce monde là. Puis ancien, on a le... Ah, on est dans le deuxième truc en fait. Il y a la grange du Rufus, ok, à purifier, ce qu'on va faire, et ensuite le puits ancien. Ok, donc on est exactement où on doit être en fait. Donc, bon bah, go pour le combat. Juste avant, vous savez quoi, on va faire des petites améliorations quand même. Lancer attaque lourde avec un timing précis pour infliger des dégâts massifs. Commencer le combat avec une action de rot. Appuyez sur carré tout en bandant votre arc pour créer une flèche imprégnée de rot. C'est pas mal ça. Maintenez R2 et appuyez sur carré. Ça, je le fais jamais en fait. C'est un truc de fou. Ok. Kenap tirer 6 flèches avant que l'arc d'esprit ne se recharge. C'est pas mal ça aussi. Hein. Gagner une action de rot en parant une attaque ennemie. Ok. Et lancer une attaque. Ça, j'ai pas trop envie. Ça, je vais faire ça, je pense. Commencer le combat avec une action de rot, c'est vraiment pas mal. Ok. Après, j'ai plus d'argent. Ok. J'ai plus rien. Ok, donc là, on a tout débloqué. Enfin, on a tout débloqué. On voit toutes les actions. Les dégâts de la bombe augmentent si Kenna lance celle-ci avant qu'elle n'explose. Ok. Pas mal, pas mal. Bon, bah go. Donc c'est... Wow. Hop là, hop là, hop là, vous pouvez vous calmer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a des... Oh la vache. Attends, c'est chaud. Oup, oup, oup. Ah oui, il y a plein de trucs qui pètent. Ouh. Ah mais il me balance que des trucs qui explosent en fait. C'est super dur en fait. Aïe. Aïe. Oh là là, les relous. Voilà. C'est bon. Wow. Ah, ils sont trop chiants, eux. Wow, wow, mais calmez-vous. Ok, on a un boss avec un bouclier maintenant. En pleine tronche. Le chevalier des vignes, ok. Mince, j'ai raté. Wow, j'avais pas vu que ma vie était extrêmement basse. Mais genre extrêmement en fait. Je pense qu'il va très loin avec son fouet, oui effectivement. Oh la vache. Le problème c'est que dans ce jeu, si tu sais pas viser, t'es dans la merde. Oh là là, mais pourtant tu vises des fois même. C'est bon, je l'ai eu. J'ai très peu de vie par contre. Je peux pas lui envoyer quelques rottes là sur la tronche? Ah, il aime pas les... Oh la vache. Pourtant, il aime pas les bombes. Ça le met un peu en PLS. Oh oh, je crois qu'il m'a chopé. Ok, d'accord. Effectivement, c'est la merde. Non, pas bon. Mauvais timing. Je sais pas, il y a un truc ici, mais... Attends. Il y a un truc ici. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est des soins? Dans ce cas-là, il faudrait me le dire. Ah non, merde. Bah là, il va me finir. Ok, finish him. Finish him. Il avait
un maximum de vie en plus. Hein. Genre vraiment, c'était le tout début. Ah, est-ce que tu te retapes genre vraiment tout? Oui. La réponse est oui. Ok, je comprends mieux. Donc eux, faut vraiment les terminer rapidement. Ah par contre, j'ai l'impression que... Donc, je pense que lui, vraiment, faut le terminer vite. Comme ça, t'en parles plus. Et après, tu fais ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est abusé. En fait, je commence le combat de boss avec très peu de vie. D'accord. Déjà, tu commences le combat de boss, t'as plus de vie déjà, tu vois ce que je veux dire. C'est la merde. Oh, le rôle. Par contre, j'ai touché là, en vrai. Vraiment. Il a remis son bouclier. Incroyable. Il a vraiment remis son bouclier. Oh la vache. Mais non. Voilà. Ça c'est fait. Par contre, faut vraiment que j'aille voir si c'est quoi ce truc là. D'accord, il y a un truc là. Non, ça fait rien du tout. Ok, moitié de sa vie. Et moi, il me reste un poil de cul de vie. Mais non! Vraiment, je l'ai évité en fait. Ah ok, il y a un peu de vie là-bas les amis. Ah non, en fait ça sert à rien. Ces rochers ne peuvent pas être... Ah ouais, tu peux pas l'attaquer du tout. Wow! C'est quoi ça? En fait, sinon c'est que avec les bombes lui, non? Tu peux l'avoir qu'avec les bombes. Oh non, genre le petit coup là, il m'a mis à terre. Ok. Écoutez les amis, ça fait déjà 30 et quelques minutes qu'on fait ce petit let's play, donc on va s'arrêter là comme ce combat de boss. Je ne sais pas combien de temps va-t-il durer, ça peut être long parfois à les battre, hein, on a déjà vu ça. Donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là et on enchaîne dans le prochain épisode directement avec le boss, hein, comme là, on bouge pas, on reste là, on reste ensemble mes amis. Donc merci d'avoir regardé cet épisode, je vous fais des bisous, à très bientôt et on se retrouve dans le prochain pour combattre ce foutu boss qui va nous donner du fil à retordre. Allez bisous, ciao.